Le rechapage d'un pneu usé consiste à récupérer ses particularités initiales par la mise d'une nouvelle bande de roulement ou par l'approfondissement de sa bande de roulement usée. Les pneus qui subissent le rechapage sont adaptés à cette opération et dotés d'une indication spéciale. Le rechapage est appliqué surtout dans le cas de pneus pour les véhicules poids lourds où le changement de pneus constitue une grande dépense. Environ 20% des pneus rechapés vendus sont les pneus poids lourds. Dans le cas des voitures particulières, le pourcentage est encore moindre. L'avantage principal du rechapage est la réduction des frais. Les pneus poids lourds exploités optimalement peuvent être rechapés même 2 ou 3 fois. En plus, en comparaison avec des pneus usés, les pneus rechapés assurent une meilleure protection contre l'aguaplanage. Finalement, le rechapage est plus écologique que la production des pneus tout neufs. Pourtant, un pneu rechapé ne représente pas les mêmes particularités qu'un pneu neuf. Son kilométrage est plus court, l'adhérence et la précision de manœuvre sont inférieures. Malgré cela, l'utilisation des pneus rechapés de marque, d'origine sûre, ne devrait pas exposer le conducteur et les passagers au danger. En planifiant le rechapage des pneus après leur usure, il vaut mieux choisir les modèles de la classe supérieure fabriqués par les consortiums qui s'occupent du rechapage depuis des années. Pour en savoir plus, regardez d'autres vidéos.